C'est que je suis un éponge. Je suis un grillé. Je suis un bien fou. C'est que je suis un peu plus fort. Amba ma ka kwese pin shu inji nga manje mo ka kwese pin shu inji o. Pin shu inji o mo vo. Il faut entrer avec ton micro n'est pas connecté. Me ni mouye, me vo me ni mouye ma la. Ya me no princesse, vo yo. Gente. So, chef. Aha, ole makali. Chef. Go peno. Go kwa nanjou. L'anxi là, elle me chef. Gepé. Il y a un mot là, il y a un janja, un chumbi. Nga. Veu ou tamp. Yimanjou. Yimanjou, hein. Poussin de me peu, yimanjou. Oui, gofumon gombi me votunga, ça me. Un job, dansé, et d'un bise peu, non. Le peu, c'est le pluriel, mais il ne sert que devant le nom des personnes ou des animaux. Au lieu de dire peu, pour dire la nourriture, mais pour dire que. Zouze. L'eau, c'est la cuillère. Mais pour des mots que. Zoulou. le L devient Lou. ND. Ah. Ndou. Le pluriel des mots. Oh, on verra ça un peu éloigné dans la grammaire. Mais vous pouvez même le voir seul dans le livre de grammaire, quoi. Ndou. Voilà, Ngembi. Pone se sintin bin chokwa meram alo ponja telone fo. Mais vous m'avez dit mouillé. Ah, oh, c'est si. Tu es où, mon dieu, tu es un dieu, tu es où? Ici, l'enfant du. Du. Ici, l'enfant du. Ici, l'enfant du. Fuck, l'enfant. Fuck. Tu es bien, tu. Télo. C'est télé, il y a mon co. Télo. 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 Ne. Fa. Fab, télo, ne fa. Tu te tiens, me trouver là. Fa. Pété, remunchu. Remetchou. B. B. Tcha. 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 Tcha.
tape que Il veut un chat film, il veut un WhatsApp. Bah. Fa ya me. Nge. Que peine. Oye, tu es mon banchou, tu es un banjé, baba. Au calendrier, que peine. Oh, mon gambi, ne tchè ou ta bambou, mon jé faveur. Ah, mon gambi. Yep, un mouvement d'un capzette à l'emboîme, minimoué, le bon game, ni. On s'est riche. En tout cas, à Rendendembe. Rendendembe. Mon gars, mon nez. Oh, mon gars, mon nez. Asse ma queue. Pleurer pour rien. Pleurer pour rien. Mon gars, nez, nez, ou dis quoi? Rien, rien. Zéro. Rien. Zéro. Zéro. Rien. Zéro. Rien. Vous dites que tu as fait quelque chose en vain. Rien. Oriane, tu as fait en vain. Ah, le monde est mené. Quel est le moment que tu es mené? Tim, Tim, Tim. Mon d'abissé. Ah, mon d'abissé. Ça me fait. Tam. Il baisse ma fure. Quand
Le fusil, tirer le fusil comme lors des deuils, non? Pour un coup de feu sur ta tête, quoi. Pour te féliciter, c'est un peu comme les feux d'artifice, là. Ah, Fab. Okay. Non. Mais merci pour l'analogie. Je ne savais pas le profil, et pas dans le profil de ma langue. Il y a quoi faire? L'avantage. Le peine. Quand tu me peux, tu as un mot plus fort. Ah, ok. De si me gîme pour moi, relaza. Je ne savais pas qu'on écrivait ma langue. De si me gîme, relaza. Qu'est-ce Je ne savais pas que ma langue avec l'orthographe. De si me gîme, relaza. Siembe. Je ne savais pas que ma langue avec la grammaire. De si me gîme, relaza. Quangue. Je ne savais pas que ma langue avec les proverbes. De si me gîme, fut que tambre le zal. Ne lis pas approximativement, je ne sens pas le coup de gloire ici. Quand tu veux le zal, il faut faire le sortir ça. Oyo. Ah, c'est ça. Bangue. Je ne savais pas. Ah, pardon. De si me j'y fut que tam rele zal. Je ne savais pas qu'il y avait une force, une richesse dans ma langue. La fameuse richesse. Je ne savais pas la richesse. Je ne savais pas qu'il y avait de la richesse dans ma langue. Enfin, que c'était riche. Ma langue était riche. De si me gîme, relayombe, fuxine. Je ne savais pas que notre langue était une richesse interminable. De si me gîme, relayombe, ngopna. Je ne savais pas que ma langue était une partie de moi. Non, je veux dire la traduction littérale. Ah, ma peau était ma peau. Ma peau. Donc, était mon identité. Gobna, Fabre, ma peau. La langue. Maintenant que je sais. Comme si je t'éloigne du micro. Oui. Comment on fait? Maintenant, ça va. C'est mieux.
Là, là maintenant, c'est encore reparti. Nouamba. S'il n'y avait pas ce et qui descendait, on devait lire quoi? Si, effacer ça et lisez voir. Voilà, ça devait faire un tchie. C'est ce et c'est l'autre aussi qui fait rechuter la voix. Fais-le-moi un tchie. Maintenant que je sais mes frères, mes soeurs, on peut dire comme ça. Si je dors pour elle, je serai en train de dormir. Je voudrais que chacun récite ce poème-ci par cœur et envoie ça. En faisant le poème, vous pouvez d'abord lire, mais après, vous ne regardez même pas. Je veux que vous reteniez ça par cœur. L'avantage de retenir par cœur, c'est que ça vous fait travailler votre mental en langue. C'est facile. Il n'y a qu'une décimale, j'ai jusqu'à la fin. Et après, vous retenez seulement les mots-clés. Il y a pi, il y a moi, il y a ke, tchè, siembe, kwangé, feu, simien, gobna. Donc, ça devrait être facile. Donc, faites ce genre d'exercice-là. Gomme, mbue, yambi, pe, pe, yuwa. Oyo, c'est ça. Dis, mbue. Pe, mbue, ha. Hein? Pour le monde, il y a mon gars. Ne pas
Rien que dans Tunis, du caca, il y a des patchs pour des coutures. Il y a tout comme un bras. Comment il est? Quoi, Jibo? Nangoupinja, ça veut dire que tu fais élégamment. Je suis en train de vous dire de ne pas lire élégamment en faisant, en tournant les tons. Les virgules, les points d'exclamation, tout ça là, n'ont pas d'influence sur ce qu'on dit. Ça a l'influence, mais pas l'influence sur le ton, mais plutôt sur le sentiment. Donc, ici, je ne veux pas dire nga, parce qu'il y a le truc, c'est toujours nga, ça ne va jamais changer. Mais je peux changer ma voix pour mettre de l'émotion. Nga. Tu vois, c'est ça qui... Il n'y a que ça qui change, mais je veux dire, le ton ne change pas. Comme ici, par exemple, elle a d'abord dit nous que. C'est vrai que dans le palais, on dit ça. Dans le palais, on dit nous que, on dit même nous que. Mais il faut lire ce qui est écrit. Nous que. Ça ne veut pas dire que nous que est faux. C'est ça que je dis. D'accord. Ça veut dire respecter les temps. Per kuni jinter.
Bitume. Ça se dit dans le palais, ça se dit. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Alors, on va barrer carrément. Donc au début c'est bon de tituber comme ça, mais une fois que tu as compris le message, maintenant tu peux maintenant faire avec le job, avec l'élégance, mais sans changer le ton. L'élégance n'affecte pas le ton. On dit ça c'est le au son cas. Ça c'est le au son cas. Au son cas. Au son cas. Ah, parce que c'est une question. Si je dis seulement au son cas, c'est l'affirmation. Au son cas. Nga me vo encore son cave. Oh, tu es chine. Oh, oh non, attendez. Oh, tu chine. Tu. Oh, tu. Oh, tu. Oh, tu. Chine. Nga me vo encore. Toi, tu ne fais pas comme un enfant. Parle avec la voix d'enfant. C'est ça que je dis, l'émotion. Ce n'est pas tout. C'est tout. Au soc. Il n'y a pas que. Non, c'est H. Au soc. Jizo. Gamme vous. Encore ça. Jizave. Onya. Quen. Jo nga me vo onkanya kwenja ba nga se oza nga se seweba nga che oza ah c'est pas oza oza wu za me vaut gosse ou ça. Hush. Tu es mauvais pour me. Yola. Allah.
Yola. 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 Chuo. 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 Lema yola chuo. Yola chuo. Peyo yola chuo nda shilaba. Il n'y a que ta bouche. Ah, que tout ta face est ta bouche. Yolan Chouanda, c'est mon kweyo ou waman chou. C'est un peu idiomatique. Yolan Chou. Gaman, bat chop, ou pu, wapi wa. Ah, men. Ah. Wabama. Ah, on gagne pas. Ga, tu. Ah, ne t'arrête pas, gronde. Ah, ga, tu. Nouveau. Ah, c'est vraiment. Regarde le temps. Nouveau. 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 Ça. So, sele. O, so, ka. O, son, ka. O, son, ka. Nga, me vaut. Nga, son, ka. Il y a le coup de glotte. Attention. Ce n'est pas un ka. Nga. Oui. Il faut me faire gratter ta gorge là. Hein? Nga me vo, nka son kab. Nga me vo, nka son kab. O tu shi. Maintenant que tu connais maintenant, aligne les mots sans t'arrêter. O tu shi. Nga me vo, nka tu shi ba. Toi aussi, ne t'arrête pas. Maintenant que tu connais ce que ça, tu es en train de lire. Nga tushiba. Nga me vo. Nga tushiba. Nga me vo. Nga tushiba. Ce n'est pas tout, c'est tout. Tout. Oui, tu as du mal un peu avec le coup de blanc. Tushiba. Nshiba, ce n'est pas nshiba, nshiba. Oh, fa. Pardon, oh. Fa mwani. Nga me vo. Nga fa. Fa mwani be. O son tizo. O so. So. O so. Di zo. Nga me vo. Nke so njizab. O nya kwentio. Ah, ibe mon chuta. Ya nya. Ya o nya. Ah, o nya. O nya kwentio. Nga me vo. Nke nya kwentjab. Gantje. O ze ouza. Me vo. Nge ze ouza. Esh. Que tiye mou be pumbe. Yola. 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 Sembe ta yola. Yola shio. Yolan Chou. Yolan Chou. Tu as retenu une nouvelle phase de Yonga Rumbi Mouli. Yolan Chou. Yolan Chou. Il y a la bombe, mon temps, quoi, film. Et t'as ouaché mon plus fa. Ok. Fais-moi un joueur, mon dos, le vie. On est vers que quelqu'un lise et les autres traduisent. L'autre traduit. Nafa, ça veut dire traduit, ça veut dire changer, si tu veux. Nafa, ngue.
Gantje. Gantje. Mevo. 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 Maman. Oui, maman. Le « si » veut dire « le « si », ça veut dire « oui ». Ok, oui, maman. Ça, c'est le « au son cas ». Au son cas ? Au son cas. Bien. Je viens ici. Viens. As-tu lavé les assiettes ? As-tu lavé les assiettes ? Gamevo, c'est me vous. Gamevo, qu'un son cabin. Non, maman. Non, maman, je ne vais pas laver. Au touchi. Au touchi, au touchi. Au touchi. As-tu puisé de l'eau? As-tu puisé de l'eau? Gamevo. Mevo. Gamevo. 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 Non, maman, je n'ai pas puisé de l'eau. Oh, Fawani. As-tu fait tes devoirs? Gamevo. Fawani. Non, maman, je n'ai pas fait mes devoirs. Oh, son diso. Oh, c'est là où son. Oh, son. Oh, son diso. Il n'y a pas K, il y a H. Oh, son. Oh, son diso. As-tu lavé tes habits? Gamevo. Son disab. Non, maman, je n'ai pas lavé. La oignon. Quendo. As-tu dressé ton pied? Gamevo. Gagnon. Quendab. Non, maman, je n'ai pas rangé. Je n'ai pas dressé mon lit. Non, mon lit. Gatche. Gantje, as-tu mangé? Oui, maman, j'ai mangé. Que tu es mauvais pour me. Woyol. Yolan. 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 Tu vois ce que le cerveau fait. Il a dit la récitation. Non, Woyolo. Tu es quel enfant ça? Ou bien non, c'est quel enfant ça? Tout pour toi dans la bouche. Yakofa. Tim. Me on da ping gopeno o mon gambi pitié uta. Gopeno gopeno. Fala tesinu. Pechemba. Gantche. 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 Minimum, you're power, no, don't you? Ga a casso son cab. Aya, it's my père Girano. The cutting of a sausage, you cheer. A pepino. Ga. Ga, 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 ga,
Quand tu touches, nga, 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 Ga Ah, car c'est au London, je suis. Ça fait penser mon enfance. Il y a mon goût, mon chop, c'est un mot. Il y a mon goût, me chop. Oh, la matérie. Un mon chum si. Un mon chum si. Il y a un gomme. Un chum. Un chien d'amour. Un chien d'amour. Fais-toi la rue. Mais là, répondez-moi aussi une chanson quand tu es chie. N'y a pas de dieu. Au rentier. Un chien d'amour. Oh, le lutte. Aha. Parle comment tu nous que pour me voir un gars chepi j'ai peur gopeno puis j'étais ta gopeno te kimbe y a tant comme un chantier élément ok passe gopeno ta pas mon dessi même pas yolo j'ai demandé observer tout dans les moindres détails. Pour laisser mon cœur. Là, ici, c'est l'affirmation. Si je dis, quel est son nom? Son nom, c'est quoi? Nganchu. Maintenant, si je veux dire que Nganchu a fait quelque chose, on dit Nganchu. Vas-y. Nganchu. Ganchu sonka, allez-y. Ganchu sonka. Voilà l'affirmation. Ganchu, vous voyez le tchu qui monte. Mais à la négation, il conserve son ton. Pelemu ganchu sonka. Ganchu sonka. Aha. On ne peut pas dire que ganchu sonka. Si tu fais ça, ça veut dire que Nganchu lave l'assiette. Mm-hmm. C'est que tu es en train de lui dire Nganchu, son cas. Pemendi, Chomchi, est-ce que vous voyez la nuance? Mm-hmm. Si je conserve son nom, je dis Nganchu, son cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire Nganchu lave les assiettes. Alors que quand je fais Nganchu, dans Nganchu, il y a quoi? Il y a un auxiliaire. Il y a l'action qui doit venir. On dit Nganchu, on s'attend à ce qu'on continue la phrase. On s'attend à ce que Nganchu ruka. Yimolen Nganchu, zaba. Nganchu, sikwende. Nganchu. Il y a autre chose, on a un autre phénomène. Observez encore. Là, c'était sur le sujet. So. Quel est l'infinitif du verbe? So. So. Les infinitifs, ça commence soit avec N, soit avec M, dans notre langue. So, c'est l'infinitif. Maintenant, j'ai lavé, c'est quoi? Gosso. Les tons hauts deviennent le ton bas. Les tons hauts deviennent le ton bas.
D'accord. Ngu, c'est le verbe faire. Ngu. Ngu. Tous les tons hauts chutent en ton bas quand on est haut. Passé composé. On tient ton main d'or. Ce n'est pas un coup pour ça, mais il y a un coup dédié à ça. Mais il faut déjà que vous sachiez. Donc, maintenant, le son, c'est une gueule, n'est-ce pas? Mais maintenant, si je veux continuer la phrase, est-ce que je vais dire une gueule, son? On va dire quoi? Si on devait s'arrêter ici, le ton devait chuter au ton bas. Si on ne continuait pas la femme, on devait gantu so, pelele. Gantu so. Dame pomenda, vengembi. Gantu so, est-ce que je peux dire gantu so et je m'arrête? Non. Mon pundema, oui. Comment tu fais? Un sort. Un cas. Une dame, tu es pour me te mangano. Comme mon tour. Accord. So. Yes, ma accord. So. Bunga. Accord. So. Yes, ma accord. So. Donc, on appelle une peu. Ça veut dire quoi? Bizarre. Pêche une douale. Douale, c'est le nuage. On dit une douale. Vous n'avez pas entendu ça? Une douale, c'est Internet. C'est pas que quelqu'un que. Makali. Gayi tape le noni passé. C'est que quelqu'un que. Que quelqu'un que. C'est un synonyme. Que quelqu'un. Donc il y a que quelqu'un que. Il y a un gun douale. Un gun douale, c'est beaucoup plus aussi satellite. Un gun, c'est quoi? C'est la tarentule qui aide à faire les recherches au village. Là. Ok. C'est un genre de migale d'araignée là. Les gens qui disent l'oracle, ils partent consulter ça. Wonderful. Voici. C'est un peu comme ce qu'on met au pays, avant là, on mettait l'antenne sur les toitures de la maison là, pour capter. L'antenne parabolique. Voilà, l'antenne parabolique. Yeah. Non, on parle de la culture maintenant. Au village. Au village, il y a les diseurs d'oracle là, les devins. Pour voir si ton mariage va marcher, il part sur le jeu. il met quelques bâtonnets. Devant le trou de la migale. Et chaque bâtonnet. Je ne connais pas l'autre là. Je ne connais pas l'autre là. Oui, je suis en train de t'expliquer. C'est culturel. Chaque bâtonnet porte soit un oui, soit un non, soit un peut-être. Il vient dire que est-ce que ton mariage va marcher? Il y a un bâtonnet pour oui. Il a fait une remarque sur ça. Il y a un autre bâtonnet pour non. Il y a un autre bâtonnet pour peut-être. Quand la migale vient, elle emporte un bâtonnet dans son trou. Et c'est là où le devin vient interpréter. Ok. Ça fonctionne toujours. Ça, je ne connais pas ça. Oui, Linda, ça fonctionne toujours là. Oui, les gens le font toujours. Et c'est vrai, ça. Ne me demande pas l'autre, là. J'ai entendu parler. Non, c'est un temple là, c'est ma première fois. Je n'ai jamais. Ça veut dire qu'il passe et demande au gueux si quelque chose va marcher. Gueux, c'est la tarentule, une sorte d'araignée. Cherchez même gueux dans le dictionnaire, vous allez voir un gueux. C'est cette tarentule là. Donc, pourquoi je suis arrivé en gueux même, je ne me souviens même plus.
C'était par rapport à l'internet, une douale. Ah ah ah. Une douale, très bien. Une douale, c'est donc cette tarentule-là qui cherche plutôt dans les nuages. C'est comme ça qu'on a constitué le satellite. Parce que le satellite fait des recherches. Donc, on a fait le rapprochement avec notre gueule-là qui nous aidait à prédire l'avenir. Pour constituer le mot gueule-doual. C'est-à-dire le gueule qui cherche plutôt dans le doual, qui est les nuages. Okay. C'est un élément culturel. Donc, maintenant, je suis parti de gueule-doual. Ndoua, ça vient de ndoual, qui est nuage. Il y a ndoua, ça veut dire que c'est nuageux, c'est brumeux. Et donc, c'est flou. Ngolema, ngolima, il y a ndoua, tu peux, ça veut dire quoi? C'est nuageux dans nos têtes. C'est flou. Je sais que tout ce que j'explique est flou dans votre tête. Ndama, on dit rembi, yale si. Ça veut dire quoi? Il y a mon dit ici. Il y avait ça le temps. Ah, Fab. Re là-bas. Ah ah. Parlant de mi. Oh, ici. Ganchu, ganchu, ganchu tout. Ça, c'est un verbe à ton moyen, n'est-ce pas? Mm. Parce que l'infinitif, c'est quoi? Ntou. Ntou. Voilà. Vous voyez qu'à la négation, lui n'a pas changé de ton. Ça, c'est un verbe stable. Les verbes à ton moins là. Hein? On a dit Nganchu Kotu. Vous voyez que le ton n'a pas changé, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui. Donc, on dit à ce niveau que il est stable, quoi. Hein? Alors qu'ici, c'est un verbe à ton haut. Un son. Asson. Assonka. Akosonka. Vous voyez comment? À chaque fois, il dit qu'il va changer de ton. Mm-hmm. Son infinitif, c'est quoi? Son avec le ton haut. Maintenant, dites un peu, j'ai lavé. Gosson. Gosson. Maintenant, j'ai lavé l'assiette. Gosson. Ah, j'ai dit l'assiette, pas les assiettes. Gosson. Ah. Maintenant, je n'ai pas lavé l'assiette. Vous avez observé tous ces changements de ton, n'est-ce pas? Mm. Ça, c'est avec les verbes à ton haut. Avec les verbes à ton moyen, utilisons ça. Le verbe, c'est « tout » qui veut dire « puiser ». Dites un peu « j'ai puisé ».« Gâteau ».« Gâteau ». ».« Gâteau ». Oui. Oui, c'est ça. Avec le « j'ai », lui, il va monter parce que c'est un peu plus Gotou, elle est mon Gotou. Gotou, Gotou. Maintenant, j'ai puisé l'eau. Gotou. Gotou. Le même tout n'a pas changé. Il est toujours haut comme Gotou. Même quand j'évolue avec la phrase, il reste toujours Gotou. Est-ce qu'on voit ça? Mm-hmm. Tout à l'heure, ici, c'était un Gotou. Maintenant, quand j'évolue avec la phrase, c'était un gosson. Alors qu'ici, un gotou. Ça monte. Ça monte. Mmh. Et même quand je continue, il ne change pas un gotou ici. Donc, il est plus stable que le verbe à ton haut. Maintenant, je n'ai pas trois, plus. Alors. Hein? Et ici, c'est trois. Gotou, oui, c'est deux. Non, je veux dire l'infinitif. Quand je dis le verbe à ton moyen, c'est que l'infinitif est à ton moyen. Le tout là n'est pas l'infinitif. Ça, c'est dans le passé composé. Mais c'est le ton 2. Mais ce n'est pas un verbe à ton 2. On regarde par rapport à l'infinitif. Goyo. Tout là, c'est toujours le ton. Ah, c'est ça que tu demandais. Oui. Oui, c'est le ton 2. Gotou. Mais ici, Nganchu, c'est ton 3. Nganchu, c'est ton 3. Nganchu, c'est son nom.
à la négation. Le tout de Nganchu, tout, lui c'est ton 3, mais quand on dit Ngue, c'est non, ton 2. Non, c'est toujours haut. Nganchu! Nga, si Zéziba, n'est tout là, c'est tout. Un tout. Quand c'est Nganchu, tout, c'est ton 3. Nganchu, tout. Ah! Peut-être, bon, je veux me rassurer que je comprends bien. Reprends encore. Quand on dit Ngue, tout, c'est autant 2. Mais pourquoi quand on dit Nganchu, tout, lui, c'est ton 3? Bonne question. Onuka. Din, 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 din. Agi. Dans notre langue, le sembe va avec toi, Ngue, tout. Ngue, tout. Gantu tout. Voilà encore une autre règle. Il y a ce quand je vous dis souvent on ne dit pas Ngueyou. Je vous ai déjà dit ça non? Parce que ce Ngue va avec peu Ngueyou. Maintenant Gantu. You, c'est maintenant moyen. Gantu you. Repartons avec les pronoms. Conjuguez-moi le verbe entendre au passé. Gueyou, au passé immédiat, au passé composé. Allez-y. Passé immédiat, passé composé. Gueyou. Gueyou. Vous voyez que c'est pour et ta le temps. Ce n'est pas pour you. Tu peux me dire donc, c'est un peu. Tifa, Kenji ne paye you. Dama, c'est le dernier uniquement qui est spécial. Parce que le pronom personnel, ce n'est pas po, mais c'est quoi? Po. Et comme c'est po, alors you va être moyen. Po, you. Po, you. Go, peno. Gokwamo, on semble en train de gagner nous si on gagne des. Donc, ici, c'est Nganchu tout. Ici, Nganchu tout. Ici, à la négation, son ton est resté stable. Pour l'angambi. Nganchu fa moani. C'est un verbe. C'est quel verbe? Quel est son infinitif? Mfa. Donc il est un verbe à ton haut comme sort ici, n'est-ce pas? C'est pour ça que le sembe est devenu peu. Le sembe est devenu peu. Accord. Fa. Pour l'angambi. Ganchu son dizi. Ganchuka, so, c'est le même phénomène. Ganchu nya, kwendi, ganchuka, nya. Gopé. Donc, la négation ici, il y a aussi ce bossi qui est entre parenthèses là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est facultatif dans ce cas. Okay. Donc, on peut dire Nganchu ka so ou alors Nganchu so. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Appel ou traité non, je crois que vous avez au moins vu cette négation aussi. D'accord? Il y a beaucoup de négations. Hein? On va aller dans. Il y a beaucoup de négations. Donc, on va s'arrêter d'abord ici pour aujourd'hui. Et la suite, vous allez répondre et vous-même, vous allez
essayer de faire ça en exercice. Yamé. On va y revenir la prochaine fois, mais je veux que vous essayiez aussi de vous entraîner avec ça. Hey, Uwe. Go try and be per l'enfant. Du jeu que tu nous avais montré la dernière fois là. C'est dans le fichier PDF. Oui, ah bon. Si vous cliquez sur l'image du jeu, c'est une image dont le lien est imbriqué. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir ça quoi. Donc, une fois que mon ami peut lever, peut me faire Fabi Falemon. Père Wani, CM1. Livre de grammaire. Ah. Je ne suis pas sûr que j'ai ça. Hein. Aussi, mon groupe au Laya Yankosio. Vous allez aller au chapitre 9.1. Ça va vous montrer comment on construit la négation du présent et du passé immédiat. Et après, vous allez faire ce travail. Je ne vois pas c'est lequel. Moza. Je ne vois pas bien l'autre. C'est un peu en bas. Il faut soulever ton écran. Je veux dire, glisser un peu la main sur ton appareil, peut-être. Mon petit, là. Pondani pepe. Bengue, Bengue, Changue, Gosuama,
père, nous, mon français, Dieu, père. Il y a le poivre, pas le poumon. T'es lisé, l'homme. Oh, c'est ça. Oh, voilà. Tu peux pas, là.